Qu'est-ce qu'on est? On est rien pour vous. Bah, si vous êtes nos actionnaires, monsieur. Ah oui, je sais pas. Vous savez ce qui me ferait plaisir, moi? C'est quand vous dites les actionnaires, vous dites les gros actionnaires. Parce que moi, je suis un petit actionnaire. Et croyez-moi, ça fait 20 ans que je, plus de 20 ans que je fais de la bourse. Si je m'étais enrichi, je le saurais aujourd'hui. Mais par contre, ça met du beurre dans les épinards. Donc j'aimerais bien qu'on dise les gros actionnaires, parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Moi, j'ai aucun pouvoir. Hein. Mais dans notre acte, monsieur, vous savez, on met les 5 premiers, là. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, un syndicaliste, mais j'ai dit, moi, j'ai pas beaucoup d'actions, c'est pour mettre du beurre dans les épinards. Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, oui, mais même la bourse, vous ne devriez pas y toucher, c'est pas bien. En tant qu'actionnaire, est-ce que vous êtes sensible au discours des syndicats avant l'Assemblée générale? Oui, je suis sensible, mais ce qui m'agace un peu, c'est que vous dites toujours les actionnaires, les actionnaires. Moi, je fais de la bourse depuis 20 ans, c'est pas pour m'enrichir. Hein. Croyez-moi, si j'étais riche aujourd'hui, je le saurais. Mais c'est pour mettre du beurre dans les épinards. Moi, je suis un petit actionnaire. Alors, quand vous manifestez, vous dites les actionnaires, moi, j'aimerais bien entendre les gros actionnaires. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Nous, moi je fais ça, nous, on n'a aucun pouvoir. Hein. C'est ça pour mettre du beurre dans les épinards, hein, c'est tout. Mais le fait que vous touchez néanmoins des dividendes alors que beaucoup de salariés sont licenciés, des magasins ferment, est-ce que ça... Le dividende est en baisse hein, cette année, je ne sais pas si vous le savez. Hein. D'accord. Il est en baisse. Hein. Et en tant que petit actionnaire, qu'est-ce que vous pensez et pour de... la petite, et pour la petite histoire, depuis que j'ai acheté les actions, je les ai achetées à 65 euros, vous avez vu à combien elles cotent, je les ai achetées il y a une dizaine d'années. Je suis toujours, au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais gagné de l'argent avec Carrefour. Je suis toujours en moins-value latente. Donc vous voyez, on est presque dans le même bateau parce que je ne gagne pas d'argent avec Carrefour. Et vous pensez que vous pouvez avoir un pouvoir en tant que... Bonjour monsieur. Vous avez, sur la marque de la maison. Non, les petits, on n'a aucun pouvoir. Hein. On n'a pas assez de voix. Vous savez, souvent, nous, ça nous arrive de voter contre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir les votes. Et des fois, il y a un petit contre. C'est 2, 3%, 5%, ça dépend des sociétés, mais ça va pas loin. Parce que, bon, bah, qu'est-ce qui vote oui pour toutes les résolutions? Bah, c'est les institutionnels qui ont des gros paquets d'actions, c'est les gros actionnaires, c'est ce que je vous disais, et puis voilà, c'est plié d'avance presque. Mais nous, les petits, on n'a aucun pouvoir. C'est pour ça que j'aimerais bien, quand vous manifestez, que vous disiez les gros actionnaires, les institutionnels. Alors là, ça me ferait plaisir. Parce que quand j'entends les actionnaires, moi, je suis dedans. Automatiquement, quand on dit les actionnaires, bah, y a les gros et les petits comme moi. Et moi, ça me fait chier parce que moi je fais de mal à personne. Hein. Mais je sais que les syndicats, ils n'aiment pas ça. Moi, je sais qu'il y a un syndicat, une fois, il m'avait dit, mais monsieur, même la bourse, vous ne devriez pas en faire. Bah, moi, je suis désolé. Moi, la bourse, c'est intéressant. On apprend un tas de choses en bourse. Vous savez, on apprend un tas de choses. Hein. C'est la guerre, oui. Non, non. On n'a pas de casque, on n'a pas de... C'est la journée des actionnaires, donc la CGT est venue manifester contre le plan Bompard. Nous distribuons un tract parce que nous avons des propositions alternatives concernant les proxys, les locations gérances, enfin toutes les suppressions d'emplois, parce que c'est un plan qui va jusqu'en 2022. Donc au jour d'aujourd'hui, pour 2018, on est sûr, ce sera à minima 5000 suppressions d'emplois, sans compter les restructurations qui sont prévues dans les magasins. Parce qu'il y a aussi un PDV. Donc un PDV, c'est un plan volontaire de départ. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas vous dire il y aura 500 personnes qui vont quitter encore la société ou pas. Vous distribuez quoi aux actionnaires là? Alors c'est un tract c'est une proposition. C'est une proposition de la CGT, c'est propositions alternatives au plan Bompard. Donc on propose pour les proxys un statut social unique, la possibilité d'une reprise en scope des magasins proximité, parce qu'il faut savoir que sur 273 magasins, il y en a une quarantaine qui vont être repris. Ça fait 1800 suppressions d'emplois sur les 2100 salariés, c'est énorme. Vous dites quoi les actionnaires quand vous distribuez ça? C'est quoi les réactions qu'ils ont? Alors, les petits actionnaires sont de notre côté. Il y en a qui nous ont dit qu'ils allaient voter contre les revenus de M. Bompard. Vous êtes surpris des réactions des actionnaires? Non. Pourquoi? Enfin, parce que c'est des petits actionnaires. Donc c'est des gens qui avaient un petit peu d'argent, ils ont acheté quelques actions. Mais nous, c'est contre les gros actionnaires, on en a 5, c'est énorme. Et ceux-là, d'ailleurs, on les a pas vus, hein. On les a pas vus rentrer. C'est 10h30. Vas-y, 10h30. Je vais fermer les portes à 10h30.
de 6 504 000 euros en 2017 au titre du plan de rémunération triennale à long terme se décompose de la façon suivante. La part de la rémunération variable annuelle totale de M. Bompard liée à des critères financiers s'élèvera donc désormais à 60% au lieu de 40% précédemment. L'objectif de la responsabilité sociale et environnementale sur la base de l'indicateur. Merci à Thierry Breton pour ces éléments. Je vous propose que nous poursuivions notre ordre du jour. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas transformer cette entreprise sans ses salariés. Vous pouvez compter sur nous ainsi que sur l'ensemble des actionnaires attachés à une gestion responsable et durable de l'entreprise pour vous rappeler. Merci. J'ai une méthode. Je vous l'ai dit la première fois qu'on s'est vu, je ne crois absolument pas, d'ailleurs ça n'a aucun intérêt, à la transformation de l'entreprise à quelques heures. On transformera l'entreprise Carrefour qui compte près de 400 millions de collaborateurs avec les collaborateurs. Et il y a un modèle social qui a été bâti chez Carrefour. Je n'en porte pas la responsabilité, vous en portez plus que moi de responsabilité dans ce modèle social avec mes prédécesseurs. C'est un modèle social, qui est un modèle social protecteur. Je voudrais juste redonner quelques éléments parce que c'est important, on a vu beaucoup de choses ces derniers temps. Carrefour, c'est le premier employeur privé. S'il vous plaît, je ne veux pas rester trop longtemps au micro. Mais moi, si j'avais loupé mes affaires, etc., je ne gagnais rien. Et je n'avais pas du fric en plus, alors qu'il était déjà largement payé. C'est inadmissible. Je ne comprends pas qu'un conseil d'administration digne de ce nom, sinon la cooptation, bien sûr, fasse ça. Troisième et dernière question. Vous avez parlé du dividende. Alors moi, je vous propose... En mon nom, mais je ne sais pas si les actionnaires me suivront. Moi, je suis prêt à abandonner mon dividende cette année pour qu'en contrepartie, vous utilisiez cet argent à faire qu'il y ait le moins d'emplois supprimés et que ça soit le mieux servi dans l'entreprise. J'espère, ça va dire à la fin, j'espère simplement que je serai peut-être suivi. Je ne dis pas ça au hasard, je n'ai pas 10 actions, j'en ai quand même 290. Donc je fais un petit sac. C'est normal, je trouve ça tout à fait normal. Mais attention, j'aimerais bien aussi que les administrateurs qui touchent des gros paquets, comme ils ont failli, eux aussi abandonnent. Je vous remercie. Comme vous avez été chef d'entreprise, il n'y a pas de petite ou grande entreprise, il y a chef d'entreprise. Comme vous avez été chef d'entreprise, je suis certain que vous faites comme moi, quand vous vous lancez dans un défi, vous ne vous dites pas « et si j'échoue ?». Moi, quand je me lance dans une aventure telle que celle-là, avec la responsabilité de conduire des équipes, je me place dans une seule perspective. Il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive ensemble. Il faut que la transformation réussisse. Et c'est dans cet état d'esprit-là que je me place. Je me place dans cette perspective-là avec un conseil d'administration qui participe à l'élaboration de la stratégie que je lui ai proposée et au contrôle de son exécution et avec lequel j'ai un échange très régulier. Je voudrais répondre à votre question sur le dividende. Ce qu'on a décidé de faire, qui était d'ailleurs fait les années précédentes, mais je voudrais juste vous en donner les quantums parce qu'ils ont quand même du sens. Et on est une des rares entreprises à faire ça. C'est au fond de proposer aux actionnaires, et ça revient à votre idée de réinvestissement, parce que moi je crois à cette idée d'investissement, c'est de dire aux actionnaires, vous pouvez évidemment être rémunéré en numéraire, mais vous pouvez aussi réinvestir votre dividende dans l'entreprise. C'est la notion de scrip dividende. Réinvestissez dans l'entreprise. Je trouve personnellement, je suis pas un petit changement.